Sirène, à genoux. Maintenant. On your knees. Au nom de Jésus. On your knees. On your knees. Maintenant. No way for you. À genoux. Oh, Jesus. Elle m'a été consacrée. Elle même est venue chez moi. Elle m'a demandé mon aide. Jeune fille, Jésus-Christ que je sers. Young lady, Jesus Christ that I'm serving est venu pour te rendre libre. He came to let you go, let you free. Toi-même, tu as contacté la reine. You went to look for the queen. C'est toi-même qui va lui demander de s'en aller. You are the one that will ask her to go. Maintenant, now, je te donne l'ordre. I give you orders. Mets-toi à genoux. Get to your knees. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Tout genou fléchira. All knees will bow. Et toute langue confessera. And every tongue will confess. Que Jésus-Christ est Seigneur. That Jesus Christ is Lord. À la gloire du Père. The glory of God the Father. Maintenant, à genoux. On your knees. Alléluia. Alléluia. Jesus, acclame Jésus, acclame Let's Jésus, acclame Jésus. Jesus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bonjour frères et sœurs, nous sommes en direct. Ici de Libreville, hein, nous sommes en direct de Libreville et bienvenue à vous tous qui nous suivez depuis TV et Radio de Vie et nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir sur ce plateau improvisé hein, donc ici à Libreville au Gabon pour partager l'évangile véritable et bienvenue également à vous tous qui nous suivez depuis le Réveil TV ou encore la voix de celui qui crie. Voilà. Donc, et je vais lire un passage et puis on va écouter un témoignage hein, donc, qui va beaucoup nous encourager. Moi, ça m'a beaucoup encouragé quand la sœur a commencé à en parler. Donc, je me suis dit que c'était vraiment important si elle pouvait le partager avec vous tous pour aussi vous encourager. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Et j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait: maintenant, le salut est arrivé ainsi que la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit a été précipité et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils les ont exposés à la mort. Quand on est touché par la parole de Dieu, on n'a plus peur de témoigner, on n'a plus peur de, n'est-ce pas, d'affronter le regard des gens parce qu'on a rencontré le véritable Dieu. Et la parole nous dit ici que l'accusateur de nos frères, l'ennemi, bien sûr, Satan, a été chassé du ciel. Et nous l'avons vaincu, nous, chrétiens, bien sûr, à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire sa mort expiatoire à la croix, et à cause de la parole de notre témoignage. Et nous devons témoigner justement pour la gloire de Dieu. Et ce témoignage que vous allez écouter, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle François. D'accord. Alors, d'où viens-tu? Je viens de Moanda. De Moanda? Oui. Ok, donc Moanda est une ville ici, une des villes du Gabon. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Dans ma vie, il y a plusieurs choses qui se sont passées, notamment ça, tout a commencé depuis ma naissance finalement. D'accord. Et par rapport au prénom qu'on m'a donné. D'accord. Et lorsque ma maman a rencontré mon papa, il y a des choses qui se sont passées. Bon, ils sont sortis ensemble et puis voilà comment je suis venue. D'accord. Et lorsque je suis venue, ma mère m'a donné le prénom de Crancia. 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 D'accord. Ce qui, en fait, ça représente beaucoup de choses, ça représente notamment la sirène des eaux de l'océan Pacifique. Waouh. Donc, rien ça, c'est le prénom d'une sirène des eaux. Une sirène des eaux.
Et lorsque j'ai grandi, ma mère m'a donné la chance parce que je demandais à rester avec sa grande soeur. D'accord. Et lorsque je suis arrivée là-bas, bon, c'était un peu compliqué, Et puis, j'ai commencé à sortir avec des jeunes filles comme moi. Tu sortais avec des jeunes filles? Oui. Donc, tu étais devenue lesbienne? Lesbienne. Et après, en même temps aussi, je sortais avec des jeunes hommes. D'accord. Et lorsque la grande soeur de ma mère a décidé de venir me déposer chez ma maman, là où tout avait commencé. Et vraiment, c'était un peu à force de rester avec certaines copines. Et moi, personnellement, en suivant les chaînes télévisées, d'accord, notamment IT, E-News et puis. Et comme ça, et on voit, je voyais souvent la famille Kardashian. D'accord. Et pour moi, je voulais arriver à ce truc-là avec être comme eux, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai vu une copine et elle m'a dit clairement ce qu'il fallait faire. Elle a dit quoi exactement? Elle m'a dit c'est possible d'avoir tout ça, c'est possible. Et là, c'est le seul moyen qu'il faudra faire. Tu n'auras pas besoin d'amener beaucoup de choses. On va aller voir une femme. Mais elle n'avait pas fait comprendre. Elle n'avait pas précisé que c'était une sirène. Quand elle dit que vous allez voir une femme, elle ne t'a pas dit que c'était une sirène des eaux. Voilà, c'était une sirène des eaux. Et c'est comme ça que, vu qu'à Manda, on a une rivière à Manda. Et j'ai oublié comment la rivière s'appelle. Et c'est comme ça que la nuit, vu que ma maman était une femme, je n'avais plus de respect pour ma maman. Et puis quand elle parlait, je m'occupais, je rentrais aux heures que je voulais, je pouvais sortir à l'heure que je voulais. Et c'est comme ça que je suis partie avec elle. Physiquement, on est parti à la rivière, il était dans les environs de 24, 1h. 1h du matin. 1h du matin. D'accord. Et quand on est parti, on est arrivé et c'était qui a commencé à faire des incantations. D'accord. Elle a fait des incantations sur le bord de la rivière, elle a fait des incantations. Et lorsque cette femme-là est sortie, la sirène est sortie. Donc la sirène sort de l'eau? Elle sort de l'eau. Et tu n'as pas eu peur? Au fait, j'ai eu peur. Et après un moment, je me suis calmée. D'accord. Elle est sortie complètement de l'eau et avec toute sa forme initiale. Avec la queue de poisson, tout ça. Tout ça. Et le haut, c'était, elle avait quoi? Elle n'avait pas de vêtements, rien? Elle n'avait pas de vêtements. Elle n'avait pas de vêtements, elle n'avait rien du tout. Et là, elle a demandé le pourquoi on l'a appelée. Et c'est comme ça que c'est avec qui je suis venue qui a commencé à faire part pour moi. Et vraiment, elle est entre livre et tout comme ça, est-ce que la personne est sûre? Et donc, je disais oui, je suis sûre. Et par contre, elle me disait que tout devait aller bien. Et vraiment, je me disais que tout devait aller bien. C'est comme ça que j'ai commencé à. Elle m'a demandé, il faut apporter des 3 œufs. 3 œufs et puis, et tout comme ça. Elle a donné une liste 3 œufs, des bougies, 2 bougies blanches, 2 bougies rouges. Et puis, avec du sang. Du sang. Du sang. Du sang humain. Pas du sang humain. Du sang de. En fait, quand les Mandiens font leur fil de Talaski, je ne sais pas trop. D'accord. Ils font. Et c'est ce sang-là qu'il fallait. D'accord. Et c'est comme ça que, vu que la fille qui était avec moi, elle est un pied musulman. Et c'est comme ça que quand on est arrivé, elle m'a dit ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, on a acheté les œufs, les 3 œufs, et on a acheté des bougies. Et après, elle m'a apporté le sang en question. Et lorsqu'elle m'a apporté le sang, on est retourné deux nuits après, on est retourné. Et quand on est arrivé, on a fait encore des incantations. Et vraiment, et un papier dans lequel vraiment c'était tout écrit. C'était tout écrit et là elle a fait sortir, je ne sais pas où elle a fait sortir ce papier là. La sirène? Oui. D'accord. Elle a fait sortir ce papier là, un papier comme ça et puis elle m'a dit de signer. Et vraiment je disais mais je n'ai pas de vie. Et c'est comme ça qu'elle a fondu là. Elle t'a blessé? La sirène? Oui, elle a fondu là. Là t'as la cicatrice? Oui, elle a... Tu peux montrer aussi aux frères et sœurs. Hein. Donc la sirène l'a blessée ici.
et pour récupérer ton sang, voilà. Afin que tu signes. Oui, afin que je signe et là j'ai fait. Et en plus, en même temps, on a versé l'eau de mouton. Et sur les œufs, elle avait demandé à ce que je marque tout et tout comme ça. Et elle m'a dit à chaque fois que quelque chose va se passer, il faudrait que je passe avec ça. D'accord. Et vraiment, j'ai passé un pacte avec elle et j'ai marqué, j'ai mis avant mon nom et mon prénom. Et après, j'ai lancé dans l'eau et tout ce qu'elle m'avait apporté. Et là, elle m'a dit, c'est facile, tout ce que tu vas, les hommes avec qui tu pourras coucher, sortir, tout ce que tu voudras, en tout cas, on va te le donner. Et c'était comme ça, la première semaine, deuxième semaine, et la troisième semaine, là, je la voyais déjà constamment. La semaine des eaux. Je la voyais déjà constamment, et vraiment... C'est-à-dire, elle te la voyait où, chez toi, au bord de la rivière, ce que... Non, en fait, il y a même des moments, en journée, elle marche comme tout autre humain. Comme une femme humaine. Comme une femme humaine. Elle vient chez toi. Elle vient chez moi et ma mère pensait que c'était, en fait, les copinages. Alors elle pensait que c'était ta copine. Voilà. Ah ouais? Oui. Elle avait la forme, c'était quoi? Une femme noire? C'était quoi? Une femme noire, mais elle avait des cheveux et voilà. Et c'est comme ça qu'on marchait avec elle. Et je m'attachais plus à celle avec qui je me suis fait. À la femme musulmane qui t'a amené là-bas. Voilà. Tu étais plus attaché à la sirène maintenant. À la sirène maintenant. En fait, c'était un peu ça, c'était déjà ça. Est-ce que tu couchais aussi avec la sirène? Avec la sirène, non. Par contre, elle me demandait à ce qu'on puisse coucher avec les hommes mariés. Et pour moi, normalement, au départ, j'avais une haine parce que ma mère et mon père ne sont pas restés ensemble et je n'ai jamais connu mon père. Et pour moi, je lui disais que. Si moi je n'ai pas connu mon père, les d'autres personnes ont aussi le droit de connaître leur père. Waouh. C'était un peu ça. Et avec elle, c'était ça, je sortais avec des hommes mariés. Et à chaque fin de semaine, il y a du mois, surtout du mois, et on te donne un nombre de personnes que tu dois détruire. Est-ce qu'elle t'a confié une mission précisément? Oui, parce que chaque personne avait son truc à faire. Et pour moi, vu que je n'ai pas trop les hommes mariés, je n'ai pas les femmes, en tout cas les familles qui sont vraiment soudées, comme ça. Et pour moi, c'était coucher avec ces hommes mariés. Et vraiment, quand je couchais avec ces hommes mariés, bien qu'il n'y ait pas le contact qui se passait, et là, je pouvais bloquer le cœur de la personne, faire en sorte que la personne se sépare de sa famille. Wow. Faire en sorte que la personne ne voit plus sa femme, en fait, ne voit plus sa femme. C'est-à-dire, quand il voit sa femme, il voit comme si c'était une vieille ou bien ce ressentiment-là de rejet envers. Et c'était comme ça, c'est ça. Et tu as détruit combien de familles comme ça? Je détruis en gros 22 familles. 22. Et c'était pas un truc que je faisais. En fait, je faisais dans la journée, je peux sortir avec 15 personnes. Dans la journée? Dans une même journée, 15 personnes. Waouh! 15 personnes, c'est-à-dire quand je finissais, automatiquement je pouvais voir une personne. Et c'est genre ça, au départ c'était à bord, c'était bien. Et je ne me rendais pas compte que j'étais en train de me rendre comme esclave. Et plus les jours passaient et plus je me sentais un peu comme, en fait, comme une marchandise. Et puis, j'avais pas un moment, je voulais dire, mais c'est bon, ça suffit, comme ça. Et elle me disait non. C'est pas ça, et comme ça. Et vraiment, vu que ma mère, en fait, avec ma mère, je ressentais un sentiment de rejet. Et d'accord. J'avais tellement de la haine contre elle, tellement de haine contre ma mère. Et s'il y avait la possibilité que je pouvais la tuer instantanément, je pouvais le faire. Et c'était ça. Et après ça, ma mère a décidé de... J'ai arrêté les études. C'était plus les études, il n'y avait plus les études, tout ça. Et c'est comme ça que ma mère, puisqu'elle s'inquiétait un peu et que je ne dormais plus à la maison. Et c'était un homme qui me louait la chambre, la maison et tout comme ça. Un homme marié. Wow. Et dans la même maison, j'ai amené d'autres hommes mariés. Et vraiment, même si la personne pouvait me trouver en train de faire cela,
J'étais capable de le maîtriser. Wow. J'étais capable de le maîtriser. Et après, j'ai laissé à ma tante qui est à Mila, puisqu'elle est juive. Elle a décidé de faire une avis de recherche et tout comme ça. C'est comme ça que quand elle m'a trouvé, elle a demandé à ceux qu'on amène à Mila. Mais quand on m'a amené à Mila, c'était pour continuer les études. Et quand j'arrive là-bas, c'était pas les études. Et vu que les gens racontaient dans Mila que non, il y a une sirène ici terrible et tout comme ça. Et moi. Donc tout le monde savait que j'étais une sirène. Non, et dans Mila, on racontait qu'il y a une sirène terrible à Mila. Ok, c'est cette sirène avec laquelle tu as. C'était ou une autre? Ça, c'est une autre. Ok. Ça, c'est une autre. Une vraie sirène, quoi. Une vraie sirène. Et vraiment, moi, ce que moi, je voulais jouer libre. En tout cas, tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas croire qu'il y a une sirène. Et vraiment, j'avais cette conception-là, au moins, cette conception satanique, de partir voir cette sirène. Et quand je suis arrivée au bord de la rivière de l'Anguille, j'ai commencé à faire les invocations. Et là, maintenant, cette sirène-là est. Elle a paru, et quand elle a paru, elle avait toujours mais celle-là, ses états n'étaient pas comme le poisson. C'était genre les épines. Et là, elle me disait, mais tu veux quoi? Et j'ai commencé à dire, ben, moi, on t'a parlé, bon, on parlait de toi, et moi, je voulais te voir et faire un pack avec toi. Et puis elle me disait, tu es sûre? J'ai dit, ben, je n'ai jamais eu cette assurance-là comme ça. Et c'est pour ça que j'ai passé le pacte avec elle. Le pacte que j'ai passé à Mila, c'était, à vue d'eux, des femmes enceintes, vraiment, c'était, je pouvais changer à vue d'eux. Des femmes enceintes? Des femmes enceintes. C'est-à-dire enlever leur fœtus? C'est-à-dire, si l'enfant est normal, mon enfant est normal. Mais j'étais capable de donner des malformations aux enfants. Et dans le ventre. Dans le ventre. Et c'était un peu ça. Et vraiment. Et même échanger les enfants parce que c'est avec ça qu'elle se nourrissait. Et donc. La sirène se nourrissait de ça. De ça. Waouh. De ça. Et c'est comme ça que. C'était comme ça avec ma tante. Et ma tante Carmilla, elle n'en pouvait plus. Parce que je manquais du respect et je faisais tout ça. Mais en étant en Mila, la sirène avec qui j'ai signé le contrat à Mwanda, elle venait à Mila. Elle venait à Mila. Et c'est là, ça fait que tu avais fait un pacte avec une deuxième sirène. Non, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais elle venait à Mila. Et c'était un peu ça. Et lorsqu'on a fait ma mère, ma tante, à Franceville, et quand on est arrivé à Franceville, il y a l'Ampassa. Les bombis, il y a une rivière, les bombis. D'accord. Et vraiment, les gens passaient plusieurs de l'eau là-bas. Et moi, à chaque fois que je voyais une rivière, et je me disais que s'il y a une sirène, il faudrait que je le fasse. D'accord. Et je l'ai fait. J'ai rencontré avec la sirène de Franceville. De Franceville. Et vraiment. Celle de Franceville, c'est la troisième sirène. C'est la troisième. Elle était comment? Et celle-là, elle avait des écailles tout rouge et il fallait à chaque fois donner du sang et c'était un peu compliqué et elle avait des cheveux coupés. D'accord. Elle avait des cheveux coupés, c'était un peu compliqué. Donc tu me dis que tu faisais tomber aussi des pasteurs. Oui. Tu en as fait tomber combien? 5 tu disais? 5 pasteurs. Mariés. Mariés. Donc tu dis que quand tu allais dans une église, tu arrivais dans une assemblée, tu pouvais savoir si le pasteur était faible ou pas. En fait, un pasteur peut se montrer si le pasteur n'est pas vrai. D'accord, ça se voit. Ça se voit. D'accord. Directement. Comment? Tu vois ça comment? C'est-à-dire, lorsqu'on approche, il y a des gens comme un blocage. On ne peut pas entrer. D'accord. Et si la personne doit entrer, c'est-à-dire, elle doit laisser non seulement parce qu'il y avait aussi des démons. Avec qui tu travaillais? Oui, avec qui j'ai travaillé. Il y en avait combien? Il y en avait 5. 5 démons. 5. Et si la personne doit rentrer, la personne doit laisser les démons et rentrer. D'accord. Si Dieu est dans une assemblée, voilà. Tu ne peux pas rentrer avec. Tu ne peux pas rentrer avec tes démons. D'accord. Et vraiment, je suis rentrée avec eux et je suis sortie avec le pasteur parce qu'il disait que je voulais avoir des entretiens. Et plus je regardais le pasteur dans les yeux et plus.
c'était vraiment quelque chose de terrible. Et puis tu le séduisais. Je le séduisais et puis une fois qu'il tombe dans la faiblesse et je suis capable de le maîtriser. Wow. De le maîtriser. Et c'était ça. Après, c'était ça. Et après, je suis redescendue à Mwanda. Après, à Mwanda, quand je suis arrivée, je sortais avec des hommes. Et là, vraiment, c'était tellement dur pour moi parce qu'on m'avait demandé de faire tomber à 30 personnes. Et 30 personnes, c'était vraiment terrible parce que ces 30 personnes, c'était pas facile. C'était pas facile. Il y a d'autres qui résistaient, il y a d'autres que enchaînent, mais il y a d'autres quand la personne résiste, c'est tu prends l'œuf, tu écris le nom de la personne. Une fois que tu prends le, tu écris le nom, quand tu pars, tu retournes à l'arrière, je prends l'œuf et je casse, et je sais que le nom de la personne, je casse automatiquement, la personne tombe. Waouh! Automatiquement, la personne tombe. Et c'était ça. Donc, pour faire tomber un pasteur ou un homme marié, tu prenais un œuf, tu écrivais son nom dessus, oui. Tu allais au bord d'une rivière. Et tu j'ai cassé l'œuf et puis... Et puis après, je citais le nom de la personne et je casse et j'ai dit, il va tomber en tout cas. Et quand je casse, et puisque je joue ici pendant la dîner, je me réveille à la personne et vraiment la personne tombe. Et là, tu couches avec. Avec lui. Et quand tu couchais comme ça avec ces hommes, avec ces pasteurs, qu'est-ce que tu leur transmettais? En fait, c'est que en fait, il y avait comme une échange, c'est-à-dire... Si la personne avait une onction, ben ça cette onction va être enlevée. Donc l'onction partait. L'onction partait. Wow. Et on transmettait à d'autres choses. Donc vous lui transmettez, tu lui transmettais une autre onction, une onction démoniaque. Voilà, des démons. Voilà, des démons. Il pourrait prier pour des personnes pourront être guéries. Waouh, mais c'est pas avec l'onction de Dieu. Mais c'est pas avec l'onction de Dieu. Parce que à chaque fois que la personne devait prier pour la personne et que la guérison devait se faire. Il y a une autre chose qui devait commencer dans la vie de la personne. La personne guérie. La personne guérie. Ok. Et lui-même aussi, sans se rendre compte, et c'est comme si ils ont donné comme ça. Et vraiment, c'était ça. Mais les 30 personnes, c'était vraiment terrible parce que les 30 personnes, je ne pouvais pas avoir tous ces 30 personnes. Et dans les 30 personnes, il faut aller au moins 15 pasteurs. Et puis le reste, ce sont des personnes comme ça. Waouh! Et tu allais d'église en église comme ça? Oui, d'église en église. Mais lorsque je suis arrivée à la 22e personne, il fallait voir le 23e. Et le 23e, j'avais produit après que le chat pouvait se faire. Mais tellement que. On me faisait tellement l'impression parce que le mois était déjà écoulé et je n'avais pas les 30 personnes. D'accord. Donc j'avais un mois à. On t'a donné un délai. Et le délai était dépassé. Était dépassé. D'accord. Et vraiment quand c'était dépassé, il fallait aller tout de suite. Et la personne, elle avait demandé obligatoirement un pasteur. D'accord. Ça, c'est la sirène. La sirène. C'était laquelle? Les trois. C'est celle de Franck de Mwanda. Celle de Mwanda. Et celle de Longuigné, on se voyait, mais pas physiquement. D'accord. Pas physiquement. Et non seulement ça aussi, je vantais. C'est-à-dire, je pouvais voir la personne, un chrétien, si un chrétien est vraiment converti, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire, quand la personne dort, il y a des flammes. Autour de la personne. Autour de la personne. Pour savoir que la personne est nouvellement convertie, ça c'est connu. Pour savoir si la personne est vraiment, comment on appelle, affirmée. Ça se connaît. Et si la personne vraiment, de l'onction, je ne sais pas trop tout ça. Ça se voit. D'accord. Est-ce que tu sortais de ton corps astralement? Astralement. Tu sortais? Je sortais. Et tu allais dans le deuxième monde aussi? Tu allais sous les eaux aussi? Comment c'est? En fait, je n'allais pas dans les eaux. Par contre, ça, c'était juste. Je partais, je m'enfermais dans la chambre, mais pas dans la chambre de la maman parce que sinon ça devait réveiller des soupçons. D'accord. Ou soit je mangeais jusqu'à Mwanda, il y a une forêt. D'accord. Et là, tu te déplaces pour aller dans la forêt et tu t'allonges. Et quand tu t'allonges, là tu sors. D'accord. Là tu sors. Et tu allais où comme ça quand tu sortais de ton corps? En fait, ça dépend des endroits où on veut t'envoyer. Et vraiment, et là vraiment, là en ce moment, tu peux, la personne, quand il sort, il sait que celui-là est chrétien. Et
ou bien si la personne n'est pas sûre, ne connaît pas le Dieu qui sert. Mm-hmm. Ça se ressent. D'accord. Parce que quand la personne connaît le Dieu qui sert, il a toute une assurance. Et là, c'est vraiment terrible pour nous. Parce qu'il y a des femmes, qui ont Dieu. Mais si la personne ne connaît pas le Dieu qui sert, il est à peine converti, il y a genre une toiture. Mm-hmm. Mais si la personne est complètement pas, il n'y a pas de toiture, il n'y a rien du tout. Waouh, pas de protection. Pas de protection, il n'y a rien. Et lorsqu'il a, on voit déjà la toiture, on sait que la personne a commencé à se convertir. Mmh. Et il est encore dans le flou. D'accord. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait en sorte que on venait descendre sur cette toiture-là, parce que cette toiture-là, il n'y a pas vraiment une foi solide. D'accord. Et donc quand on se mettait là, et à chaque fois quand on se met, il y a la toiture se perd. D'accord. Et quand la toiture se casse, et là on peut s'aimer autre chose. D'accord. Autre chose. Et quand on s'aime, on part. Et là la personne retombe dans le péché. Et wow. Quand la personne retombe dans le péché, autrement il n'y a plus de toiture. D'accord. Il n'y a plus de toiture. Et la personne n'est plus protégée. Il n'y a pas de danger. Wow. Cela. Maintenant quand la personne a une flamme de feu, a des flammes de feu et comme ça, c'est vraiment terrible. Et là on va essayer de voir si la personne converti marche avec un païen. D'accord. Et là, quand la personne convertie marche, s'il marche avec un païen, il y a des choses qui pourra, s'il ne prend pas garde aux choses qui se passent, qu'il pourra tomber facilement dans le péché. Donc vous allez vous servir de ce païen. De ce païen. Pour influencer le chrétien. Au fait, on va venir s'aimer au païen, mais c'est quelque chose qui n'est pas de lui. D'accord. C'est-à-dire que quand il sera avec la personne chrétienne, lorsqu'il va marcher avec la personne chrétienne, et si la personne, exemple, la personne va dire, va insulter une personne, automatiquement cette chose qui était plantée dans le païen, qui est avec lui, qui n'est pas de lui, va imputer au chrétien. D'accord. Et là vraiment ça perd, au fait il perd sa flamme, protection, sa flamme, tout ça. Sa flamme, et il demeure aux toitures. C'est pour cela, Paul l'a dit, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 15, 33, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Vous comprenez, frère, pourquoi Dieu nous avertit dans la parole de ne pas marcher, avoir des amis païens avec nous, marcher avec eux. Et notamment dans le psaume chapitre 1er, il est dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur, n'est-ce pas, la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie ou dans l'assemblée des pécheurs. Vous voyez? Et ça c'est terrible, terrible. Donc là nous avons la confirmation de la part de cette jeune qui vient de se convertir. Elle était bien sûr sataniste, hein. Elle était une sirène, donc elle travaillait avec trois sirènes des eaux. Elle avait fait un pacte, n'est-ce pas, trois pactes sanguins avec ces sirènes. Voilà comment elle est en train, mes amis, de nous témoigner comment ce monde fonctionne. Alors dis-moi, comment est-ce que tu te retrouves ici à Libreville? Comment je suis retrouvée ici à Libreville? C'est-à-dire, il y avait un homme avec qui il fallait automatiquement que je sorte parce que c'était le plus difficile. D'accord, c'était un chrétien? C'était un chrétien. Chrétien. Et c'était le plus difficile. Et vraiment, je ne sais pas, parmi toute la liste qu'on a eu à voir, je ne sais pas ce que cette sirène-là avait contre cette personne. Et elle m'avait, en fait, dit peu importe ce qui pourrait arriver, il faudrait que tu partes et que tu le fasses tomber. Waouh! Et vraiment, c'était vraiment compliqué, mais je n'avais pas de sous, je n'avais rien. Et mon mère m'a dit va. Et c'est comme ça que les filles qui étaient avec moi, elle m'a fait sortir des sous. C'est comme ça que j'ai pris la voiture de mandat pour Libreville. Et lorsque je suis arrivé 3 jours avant le séminaire. Mais le séminaire qu'on a organisé en février, quand on était ici, quand j'étais ici à Libreville. 3 jours avant le séminaire. Et vraiment, c'était compliqué. Et vraiment, c'est le mardi. Normalement, je disais que bon, là, on tourne le mardi. Là, en tout cas, il serait cuit. Il serait cuit. Et vraiment, si je ne peux pas coucher avec lui, en tout cas, je vais faire subir un accident. En tout cas, s'il meurt, c'est bon, même. Waouh! Et c'est comme ça que le mardi, quand je suis en train de marcher avec mon oncle, parce que j'ai un oncle, il prie ici, et une soeur aussi. Et c'est comme ça que cette soeur a parlé à mon oncle en question, qu'il y aura un séminaire, et tout ça. Et il a commencé à me parler. Et j'ai dit, vos séminaires, là, machin. Au fond de moi, c'est comme si, en fait, je voulais plus cela. D'accord. Mais j'étais content de le faire parce que j'avais tellement peur. Et si je m'arrêtais à ne pas faire cela, c'est ma vie. La mort. C'était ma vie.
Et c'est comme ça qu'on est parti le mardi. Je ne m'attendais pas, même je ne m'attendais pas. Et je me dis, bon, c'est aussi une occasion pour moi parce qu'il y aura beaucoup de chrétiens. Et pour moi, ça pourrait faire une grande quête aussi. Comme ça, tu vas faire tomber beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Et vraiment, je ne sais pas trop. Je n'ai pas pu, je ne sais pas trop, mais je peux dire c'est Dieu qui l'a permis. D'accord. Et je suis rentrée avec tous les démons que tu j'avais. Tu es rentrée dans la salle avec tous les démons. Tous les démons que j'avais. Waouh. J'étais, j'ai dit, ben vraiment, donc ici, là, il n'y a rien du tout. Et pourtant, c'était pas ça. C'était pas ça. Et quand je suis rentrée, et lorsque j'ai commencé à faire votre prédication, et quand j'étais en train de parler, de prêcher, à fur et à mesure que j'étais en train de prêcher, je voyais comme un démon qui disait, mais je disais, mais vous n'allez pas dire où. Et pourtant, c'est... Le démon qui était avec toi, un des démons, il n'était plus là. Il n'était plus là. Tu le cherchais maintenant. Oui, et je ne le voyais plus. Et plus j'étais en train de prêcher, et plus c'est des moments qui sont de quitter. Et plus je me sentais, en fait, affranchie. Waouh. J'avais tellement cette conviction et ça perçait. Et je me disais, mais pourquoi ça me touche? En tout cas, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Et pour moi, je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis retrouvée devant. Et là, Dieu m'a montré qu'il y avait une sirène des eaux, justement, et dans la salle. Et bien, l'onction vient sur elle et elle était attirée par la puissance de Dieu jusqu'à, n'est-ce pas, au devant. Et là, c'était sa délivrance. Et je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'était toi, elle s'était même enfuie. Hein, donc, elle était beaucoup secouée et voilà. Donc là, c'était ta délivrance. Ah, c'était ma délivrance. Et c'est là où j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Est-ce que tu as reçu ton baptême ce jour-là? J'ai reçu, non, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour que tu as reçu ton baptême. J'ai reçu mon baptême. Waouh, waouh. Et depuis ces sirènes, est-ce qu'elles t'embêtent toujours ou est-ce que c'est comment? Oui, au départ, quand je suis convertie, après le départ, c'était vraiment compliqué pour moi parce que ces sirènes-là, elles apparaissaient. Et non seulement ça, ce que j'avais oublié de souligner, parce que lorsque j'ai eu mon premier enfant, ça s'était bien passé, mais je n'étais pas sur la césarienne. D'accord. Ça s'était bien passé et j'avais donné à mon enfant et bon, je n'ai pas donné mon enfant. Je l'avais gardé et ma grand-sœur avait pris l'enfant. Et quand ma grand-sœur avait pris l'enfant, et puisqu'on me faisait trop de pression, et tellement que je n'avais pas d'amour, et j'étais rompue de colère, de haine. Et la sœur m'avait dit, ben, ton enfant, qu'est-ce que ton enfant fait? J'ai dit, bon, pas tes points. Mais Dieu n'a pas permis à ceux qui puissent toucher mon fils. D'accord. Elle m'avait dit, mais comment tu peux me dire de partir prendre ton enfant? Toi-même, tu dois aller prendre ton enfant. Et un soir, je me suis levée. J'essayais de me ramper pour aller voir où se trouvait ma grande sœur. Et ma grande sœur, elle est... Tu peux dire, elle était convertie. D'accord. Elle était convertie. Donc tu es sorti de ton corps. De mon corps pour partir prendre l'enfant. Et ma grand-sœur, elle était convertie. Et lorsque je suis arrivée. C'était la nuit. C'était la nuit. C'était donc tu sors de ton corps, tu vas voir ta grande sœur qui gardait l'enfant. Qui gardait l'enfant. Pour tuer l'enfant. Voilà. Pour prendre son âme. Prendre son âme. D'accord. Et lorsque je suis arrivée, vraiment, elle était vraiment entourée de. En fait, elle était vraiment entourée. Et je ne pouvais pas, je tentais, mais je ne pouvais pas. Et je disais, si je continue comme ça, je resterai, c'est moi-même qui va perdre. Je vais perdre ma vie. Et j'étais rentrée. Et la sœur m'avait demandé, mais où est l'enfant? Tu ne m'as pas amené l'enfant. Et je lui ai dit, bah, si tu veux l'enfant, va chercher l'enfant. Wow. Parce que moi, je ne peux pas. Je ne peux pas aller. Et je ne sais pas si elle est partie ou bien elle n'est pas partie. Parce que les filles avec qui je marchais, notamment, je ne marchais pas avec des personnes humaines. Je n'avais pas de copine. Et si tu marchais avec des démons. Avec des démons. Et si il s'agissait d'avoir une copine, je ne pourrais pas donner mon argent à une fille comme ça pour mon argent et pas. Non. Si j'ai donné mon argent, c'est parce que je voulais impliquer quelque chose en elle. Waouh. Impliquer quelque chose en elle. Les initier aussi à la sorcellerie. Voilà, à la sorcellerie, c'était un peu ça. Et vraiment, c'était des choses comme ça. Et puis après, j'ai eu à avoir mon deuxième enfant. Parce qu'elle disait, ben, vu que celui-là, on n'a pas pu. Et celle de, je ne sais pas trop, mais trouver un autre enfant. Et là, j'ai ramassé une deuxième grossesse. Et il fallait que j'enlève la grossesse pour qu'il puisse se nourrir de... Pour que la sirène des eaux se nourrisse de cet enfant. De son sang. Waouh.
Et là, j'ai fait l'avortement. Et après, elle m'a encore demandé plus. J'ai dit, mais je ne peux pas donner plus. Et je l'ai donné à... Tes trompes. Mes trompes. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment compliqué. À partir que je l'ai donné, mes trompes, je n'avais plus de menstrues. Waouh. Je n'avais plus de menstrues. Je ne pouvais plus avoir mes règles, tout ça là. Et vraiment, après ma conversion, je voyais tous et je n'avais pas le droit, non seulement ça, donc tout ça, je n'avais pas le droit de rester avec un homme plus d'un mois. Waouh. Plus d'un mois. Au fait, automatiquement, même jour, ça se passe, au même jour, ça se casse. Waouh. Je n'avais pas ce droit-là. Je n'avais pas le droit de faire beaucoup de choses, quoi. Je n'avais pas le droit. Et non seulement ça, j'avais des livres, des incantations. Est-ce que tu as ramené tous ces livres-là? Tous ces livres, non, je n'ai pas ramené. Ils sont où? Ils sont à Manda. Je compte bien. J'avais demandé, après ma conversion, j'avais demandé à ma maman de brûler ça. D'accord. De brûler ça. Et une chose aussi, parce que ma maman prie au combat spirituel. D'accord. Et elle faisait ses prières et tout ça. Mais ça n'avait pas d'effet. Parce que là-bas, aussi, c'est rempli de sorciers. Oui, ça n'avait pas d'effet. Et vraiment, j'aimerais aussi dire à tous les chrétiens qui sont dedans, dans des ministères de combat spirituel, qui n'ont qu'à sortir parce que pendant qu'ils font l'invocation du sang, tout ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. La preuve est que quand ma mère faisait ses prières, je me moquais d'elle. Mm-hmm. Je riais. Pendant qu'elle prenait ça tellement au sérieux, et moi, dans mon cœur, j'étais en train de rire. Wow. Même quand elle envoyait le feu, je riais parce qu'elle wow. n'avait pas des. Ça ne marchait pas quoi. Ça ne marchait pas. Et est-ce que quand tu es venu au programme de réveil ici à Libreville en février, est-ce que ça, les sirènes t'ont confié une mission encore pour le lendemain, parce qu'on a fait au moins 5 soirées de programme. Est-ce qu'elles t'ont confié une mission spécifique ou pas? Non. D'accord. Parce que lorsque je suis arrivée, c'était quelque chose d'imprévu. C'était vraiment quelque chose d'imprévu. D'accord. Et le mardi, quand je suis arrivée, j'étais vraiment touchée. Et voilà, je me suis convertie. Ok. Et après, le séminaire, c'était devenu comme des choses qui étaient des choses vraiment très difficiles à pouvoir raconter. Est-ce que tu as retrouvé tes rêves, tes menstrues? Après cela, je n'ai pas retrouvé mes menstrues. Et il y avait des certains trucs qui étaient encore là parce que lorsque je me lavais, les deux pieds restaient collés. Je n'aimais pas la chaleur. En fait, j'aimais passer ma journée dans l'eau, rester sous l'eau. Et, wow. Et voilà. Et automatiquement, quand je suis en contact de l'eau, j'étais en contact de l'eau, automatiquement les pieds s'est joindé et puis... Pour ça, former la queue du poisson. Voilà, et je suis restée comme ça, assise. Et pendant un bon bout de temps, et je me sentais à l'aise. Donc là, tu n'as toujours pas tes règles depuis? Non, là, c'est revenu. C'est revenu, parce que j'étais en train de... J'avais fait parler à certains frères. Et pendant que je les avais fait parler, on avait prié et... J'étais dans le jeûne et puis voilà. Et j'étais en train de prier et nous, c'est sorti. Le problème est que pendant ces temps-là, il y a comme des douleurs, des douleurs qui reviennent. D'accord. Ça, et tu veux qu'on prie pour toi maintenant par rapport à toutes ces douleurs? Oui. D'accord. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. 21 ans. Tu as commencé à travailler avec les trois sirènes à quel âge? Au fait, j'ai commencé depuis l'âge de 9 ans. Depuis l'âge de 9 ans. 9 ans. Waouh. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles justement qui te suivent de par le monde, hein? Donc, ce que j'aimerais dire. Et à ces hommes mariés, pasteurs, tout ça. De faire très attention. Aux jeunes filles, par contre, de ne pas se vouloir avoir tout ce qu'on voit avec les autres. De ne pas vouloir tout ça, surtout les séries télévisées. Et à chaque fois qu'on suit des séries télévisées, ce sont des démons qui se transmettent. Et à chaque fois qu'une personne lance une prédication qui est fausse, c'est comme s'il ajoutait un démon de plus dans la vie de la personne. Wow. Et de faire très attention, c'est un peu ça. Et tous ceux-là qui sont dans de telles situations,
Et j'aimerais bien dire qu'il n'y a que Jésus qui peut sauver. D'accord. Parce que moi, finalement, je ne croyais pas. Et bien que je m'étais convertie et bien tout ça, et je disais, bon, j'attends maman et puis voilà. D'accord. Parce que bien sûr, on ne sort pas d'un pacte. Hein, donc, avec voilà. La sirène comme ça, si Dieu ne t'a pas délivré. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Vous avez constaté, vous avez suivi hein, donc, ce court témoignage. Hein, donc, voyez-vous même comment Dieu est grand. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu les démons, il a vaincu le diable, il a vaincu la sirène. C'est biblique. Des esprits dans les eaux, ça existe. La Bible en parle. Le livre d'Apocalypse en parle. Il est dit dans Apocalypse chapitre 12 que lorsque Satan a été chassé du ciel avec ses anges, une partie de ses démons était tombée dans les eaux. D'accord ? Donc, il y a vraiment un monde sous-marin, un monde démoniaque, un monde rempli de démons sous les eaux et dirigé par les esprits de sirène des eaux, de Mami Wata, des esprits de séduction et qui détruisent des couples, des foyers, tout ça. Que Dieu soit béni, mes amis, et est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? On va prier pour elle, bien sûr, que la puissance de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit vienne sur elle et qu'elle soit totalement affranchie de toutes ces séquelles, de toutes ces, n'est-ce pas, douleurs au nom de Yeshua. Seigneur, je prie pour cette jeune fille, au nom de Jésus de Nazareth, que ton onction, Seigneur, vienne sur elle et qu'elle soit totalement libre, qu'elle soit totalement dégagée de tous ces fardeaux, mon Dieu, mon roi. Que l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, vienne sur elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes, Seigneur, mon Dieu, les œuvres de la sirène des eaux soient complètement anéanties au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci pour ton onction, Seigneur, sur sa vie. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'elle soit complètement remplie de ton feu. Père, au nom de Yeshua, que toutes ces douleurs disparaissent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, Père de gloire, Dieu d'Israël, nous te prions ainsi. Je prophétise que cette jeune fille va te servir, va se marier, va avoir des enfants, Seigneur, et te servir et proclamer ton évangile partout. Et qu'au travers d'elle, beaucoup d'autres sorciers, sorcières vont se convertir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Bon courage et à bientôt sur TV et Radio de Vie et également sur La Voix de Celui qui Crie ou encore sur TV. Réveil TV ou Réveil TV. Donc que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit ici à Libreville. Au nom de Yeshua. Amen. Over. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Just clap for Jesus. 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 No way. No way. No way. Stop her. Acclame Jésus. Just clap for Jesus. Acclame Jésus. Let's clap for Jesus. Acclame Jésus. Let's clap for Jesus. Acclame Jésus. Let's clap for Jesus. Acclame Jésus. Jesus. Acclame Jésus. Let's clap for Jesus. Jesus. Be free. Voilà. Dieu te guérit. Je vous demande pardon. Pardon. Elle demande pardon et on acclame le Seigneur de gloire. Accepte. Alors mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Maintenant. Mets-toi d'abord à genoux devant Jésus. Now get à your genoux. Knees before Jesus. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Acclame encore Jésus de Nazareth. Let's clap for Jesus. Let's clap for Jesus. For Jesus. For Jesus. For Jesus. 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 Alléluia. Jesus. Jésus. 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 Il est le roi. De roi et Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, notre roi, notre Seigneur des Seigneurs, son nom est Jésus, 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 Jésus. Si grand que notre Dieu, personne.
notre Dieu.